Helmut Marko répond à l'offre de Toto Wolff. Marko étant pour parler avec le propriétaire thaïlandais de Red Bull. Ah, hein. Alors, on vous rappelle que le propriétaire thaïlandais est pro-Horner, hein, clairement. Donc, il rejette la théorie comme quoi il aurait été. C'est lui qui aurait fait fuiter les messages WhatsApp, là. Que j'aurais fait fuiter les informations est un non-sens. Je suis déjà heureux si je peux utiliser à moitié mon téléphone portable. Je me suis délibérément tenu à l'écart, c'est absurde. C'était très, très impressionnant, je suis également très reconnaissant. Il est une des rares personnes ici à avoir du caractère, à faire preuve de loyauté. Donc il parle de Verstappen. Alors, il évoque Wolff. C'est très gentil, mais pour l'instant je peux heureusement refuser cette offre, dit-il en riant. Heureusement. Wolff a également nuancé ses propres déclarations, qui a clairement été faite sur le ton de la plaisanterie. C'était une blague. Je pense que Max est dans une voiture rapide, et qu'en tant que pilote, vous devez rester dans une voiture rapide, c'était une blague. Ah là là, comme il rétropédale, lui, là aussi. Toto Wolff, une blague de quoi? Mais non, c'était pas une blague. Là, tu vois qu'ils sont en train de refuser ton offre, en fait. Donc, tu es en train de dire, c'est une blague, en fait. Pour pas passer pour un idiot. Non, mais on n'est pas dupes, hein. C'est bon. Il me fait rire, lui aussi, là, Toto Wolff. Oh là là, quelle équipe, hein. Franchement, hein. Allez.